énorme de te parler sans prudence. Je me dis que c'est ça aussi qui t'a plu chez moi. Ma manière d'être transparente. Imaginez que tu puisses ne plus m'aimer, et pour moi bien plus abominable que ce que tu appelles les règles que je me suis fixées. Je sais que nous sommes deux personnes. Normal, quoi. Et qu'après tout, nous pourrions être ensemble. Mais pour combien de temps? Si nous sommes deux personnes comme les autres, quelle sera la durée de notre amour? Il n'y a pas d'amour éternel. Même dans les livres, il n'y en a pas. Donc s'aimer, c'est s'aimer pour un certain temps. Il n'y aura pas de miracle pour nous. Nous ne sommes pas plus forts que les autres. Finalement, Otto est le seul homme qui m'aimera toute sa vie. Je sais, c'est absurde, mais c'est presque vrai. Si je me donne à toi, tu finiras par détacher. Donc t'as pas très confiance en moi, en fait? Je suis pas sotte. T'es très beau. Tu plais à tout le monde. T'as connu beaucoup de femmes. J'en ai même croisé au moins deux. Et comme pour elle, un jour, tu partiras pour en aimer une autre. Que tu trouveras plus aimable. Et moi, j'y survivrai pas. Sans parler de la jalousie. Rien que cette lettre, dans quel état elle m'avait mise. J'aurais toujours l'impression que tu seras aimé et amoureux d'une autre. Peut-être que je serai capable d'endurer mon malheur. D'autres le font. Mais ça ne marchera pas, Junie. Tu peux pas résister toute seule à notre histoire d'amour. Parce que moi, je suis armée. Et que je vais pas te laisser faire.